Bonjour les médias, la presse people, toute la merde quoi, les journaux, la télé, la radio. La semaine dernière, vous m'avez accusé de plagiat. J'aurais volé, j'aurais pompé des idées à un type en Angleterre. Et le mec en Angleterre, il l'a vu, hein, il va m'attaquer, il l'a dit. À un moment donné, il fait caca dans un ascenseur et il se trouve que j'ai fait pareil, mais je l'ai fait après lui. Donc t'imagines l'affaire quoi. C'est marrant parce que j'ai fait un festival dont tous les bénéfices sont reversés à la cause animale, c'était il y a un mois. Hein. Et là, non, ils sont où les journalistes? Vous êtes là? Non. Ils sont pas là, il n'y avait personne. Donc j'aimerais faire une mise au point avec vous, voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous emmerde. C'est con, je devrais pas me justifier, mais j'ai quand même envie de vous répondre. Il se trouve que moi-même, je me fais pomper mes idées de caméra cachée, et ça dans le monde entier, et depuis toujours. C'est peut-être des coïncidences et c'est d'ailleurs pour ça que je ferme ma gueule et j'ai jamais chialé, j'en ai jamais parlé sur mes réseaux sociaux. Et aussi parce que j'en ai rien à foutre, parce que les idées sont dans l'air et qu'il y a des choses vachement plus importantes qu'un clown qui met une tarte dans la gueule à un type dans un escalator. D'ailleurs, vous l'avez diffusé cette vanne en faisant un classement, en disant que c'était la meilleure vanne de l'année, mais si ça se trouve, bah, c'était peut-être la mienne d'idée. Donc la vidéo numéro 4, c'est un clown. Vous aimez les clowns? Non. Oui. Oui, non. Bah, regardez celui-ci. La vanne du clown dans l'escalator, en fait, c'était au Brésil. Et au Brésil, ils adorent mes idées. Toutes les semaines, sur internet, je retrouve mes vannes. Thank you.
Football 20. Jump to the kangaroo song. Hoppity hoppity skippity skippity jumpity jump to the kangaroo. Oh! Hoppity hoppity skippity skippity jumpity jump to the kangaroo song. Mais uma vitória na carreira, o campeão do mundo vai vencer pela primeira vez no ano. Festa, festa, festa! Ah, espalhou! Il y a même des grosses enseignes, hein, des publicitaires, des marques françaises et étrangères qui peut-être s'inspirent de mes idées. Mais là encore, j'ai fermé ma gueule. Pourquoi ? Parce qu'on s'en fout en fait. Et on va essayer de piéger un match de foot où il y a des amateurs qui sont en train de jouer. On va essayer de les mettre dans les conditions de Ligue des Champions. Attention, c'est parti. On arrive en silence, s'il vous plaît. Pour eux, c'est un match important, sauf qu'ils ont que 5 supporters. Donc le signal sera le suivant. Aux armes ! Nous sommes n'importe qui ! Nous sommes n'importe qui ! Et on ne l'a pas de voir ! Et on ne l'a pas de En fait, si j'ai bien compris, je suis accusé d'avoir volé une dizaine de blagues à un mec en Angleterre, alors que ça fait 20 ans que je fais ça, et j'ai fait peut-être 200 vidéos, je sais pas combien d'idées j'ai réalisées, et là, vous venez m'épingler pour 3 conneries. Mais putain, excusez-moi, j'ai pas attendu après l'anglais pour faire des vannes dans des ascenseurs. Et ça se trouve, l'anglais, il s'est peut-être même inspiré de caméras cachées tournées en France dans les années 90. Tiens, tu veux me filer un coup de main ? Je me suis pété le doigt, j'arrive pas à... Tu changes la roue, tu te mènes le cul. Well, I've got a flat tire, and I've got the spare tire out, but yeah. I haven't got a clue what to do with. Dans tous les cas, j'ai été voir sur internet plus en détail tout ce qu'il faisait. Et il se trouve que j'ai trouvé des similitudes avec Buster Keaton. Donc moi aussi j'aime beaucoup Buster Keaton. Et en fait les idées, on n'a rien inventé quoi. Thank you.
Et après, du coup, il y a des mecs qui sont invités, qui sont contents d'aller sur les plateaux et tout à la télé, qui me donnent des leçons, comme Jean-Yves Lafesse qui a dit « c'est pas bien, c'est du vol et tout ». Mais putain, mais c'est sûr que jamais je vais m'inspirer de tes vannes et de tes idées. Pareil pour le mec qui fait des caméras cachées dans sa chambre là, sur Internet. Pas Norman, le mec avec des lunettes. Arrête, putain, arrête. Va faire des vidéos pour les enfants, tout ça. Demande qu'il like tes vidéos. Voilà, branle-toi sur tes abonnés, tout ça. Mais juste, il y a des choses plus importantes dans la vie que tout ça. Donc, voilà. Par contre, vous qui suivez mes vidéos, vous qui me suivez depuis toujours, j'aimerais en profiter pour vous remercier. Et j'aimerais vous dire quoi? J'aimerais vous dire, c'est en faisant n'importe quoi, finalement, qu'on devient un chien. Ça n'intéresse pas la presse. On va créer des espaces de liberté pour les animaux abandonnés. 5, 4, 3, 2, 1. Je cherche une voiture particulièrement silencieuse, genre voiture insonorisée.